Je suis toute la partie créa. J'ai une formation de stylisme design textile et ensuite je me suis spécialisée en maroquinerie pendant un an. Et mon associée, elle, a toute la partie commerciale. Après un bac S, elle a fait prépa, école de commerce. Et ensuite, du coup, j'ai fait le Pépitésame l'année 2017-2018. Foka Paris, je dirais que c'est une marque de maroquinerie made in France, haut de gamme et personnalisable et colorée. On est une marque plutôt haut de gamme, mais qui reste accessible. On parle surtout à des clientes qui aiment la mode, qui aiment les produits qui sont bien finis. J'ai toujours été attirée par l'accessoire, la maroquinerie, et ça s'est vraiment confirmé pendant mes études. J'ai adoré travailler l'accessoire. J'ai toujours été assez indépendante, j'ai toujours eu l'envie de me lancer. Alors à la fin de mes études, quand j'ai eu l'idée de monter une marque colorée, pailletée, j'ai pas vraiment hésité et je me suis lancée. Le Pépitésame Entreprendre, ça m'a apporté déjà de l'aide au quotidien. J'ai été aussi au Salon Made in France, et puis voilà, après des aides au quotidien sur la marque. On s'est aussi beaucoup entraîné à l'oral, et ça c'est très important quand on est un entrepreneur. Le pire moment, je pense que ça a été le début, quand je me suis dit je vais me lancer, et le lendemain on se dit ok, je fais quoi en fait? Monter son entreprise, c'est vraiment des hauts et des bas. Avoir de belles victoires qu'on arrive à fêter et le lendemain avoir justement des difficultés. C'est ça qui fait que c'est une belle aventure. Mon plus beau moment au démarrage, je pense que ça a été justement quand j'ai reçu ma première collection. Je pense que c'est le moment qui rend la société plus concrète. Je me suis dit ça y est, ça commence. J'ai ouvert mon paquet avec tous mes sacs et je me suis dit bon bah maintenant c'est parti. C'est aussi pour se connaître pas mal de salons. On a fait le salon Made in France en novembre dernier, c'était une belle expérience. Parce que nos produits sont justement fabriqués dans le sud de la France. Et après, on fait des pop-up stores éphémères pour que les clients puissent venir voir, essayer les sacs. Donc ça permet un peu de développer la marque. Foka Paris, dans 20 ans, pour moi, dans ma tête, j'ai pas vraiment de limite de temps. Tant que ça dure, en fait, c'est vraiment tant qu'on prend du plaisir, on continue, on avance. Bien sûr, on a envie que ça grandisse. On veut rester une petite marque proche des clientes, c'est vraiment important pour nous de rester sur ce côté-là assez familial. Une personne de mon entourage proche qui m'inspire, je dirais que j'en ai deux. C'est mon frère et ma sœur, tout simplement. C'est deux personnes qui sont indépendantes. Si j'ai un conseil à donner à une personne qui veut se lancer, ça serait surtout de bien s'entourer. S'entourer, par exemple, moi j'ai fait le Pépitésame, ça m'a permis de vraiment rencontrer des personnes extérieures, d'avoir des avis objectifs sur la marque. Et c'est important pour avancer et justement pour relever la tête, parce qu'on a toujours le nez dedans.